Donc là, je dois faire pareil pour essayer de remonter à tous les coups. Ah, c'est vraiment super. Hein, vraiment. J'adore ce système. C'est génial. Ça procure en fait une espèce de sensation bizarre comme ça de passer de corps en corps. C'est vraiment excellent. C'est très immersif pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Et non, vraiment là, c'est bien pensé. Il se dégage une certaine poésie quelque part dans cet univers sombre spatial. Oh. Va falloir que je navigue de corps en corps le temps que ça se lève en fait, à tous les coups. Donc comme ça. Ah, ce qui est bien, c'est que le temps est vraiment ralenti quand on utilise ce projecteur. Ah ouais, mais faut pas que... Si j'attends trop longtemps... Faut pas que j'utilise trop de clones, parce que sinon j'ai perdu. Parce que l'autre, après, il va disparaître. Donc du coup, les pierres vont arrêter de bouger. Là maintenant, j'ai plus le droit. Le problème, c'est que si j'atteins la lumière bleue, je pourrais plus utiliser mon appareil. Ah, je crois que du coup j'ai déconné. Ça va pas le faire. Non. Bon, maintenant que j'ai compris le système, je vais recommencer. Alors, faut que je réfléchisse vraiment bien là. Faut que je le fasse apparaître le plus haut possible. Parce que du coup, le temps est vraiment ralenti. Donc, le plus haut possible. Vers là, ça devrait... peut-être un peu moins, comme je vais me déplacer. Ouais, comme ça. Ouais, ok. Ouais, c'est pas grave. Raté. On va prendre aucun risque, il faut que ça fonctionne. Voir, je fais comme ça. Non, ça a pas marché. Voilà. Alors, on a le temps de discuter. Hein. Le temps que l'autre paroi se lève. Alors, j'espère que vous appréciez ce jeu. Moi, en tout cas, là, vraiment, je le trouve génial. Faut vraiment que j'attende le dernier moment. Parce que si jamais, en plus, je me plante d'une seconde, après, je pourrais plus utiliser mon projecteur et c'est foutu. Je sais même pas si ça a marché, en plus, ma technique. Si, apparemment, il m'en reste deux. Putain, qu'est-ce que c'est chaud. Là, après, j'en ai encore un à laisser. Je pense pas que j'aurai le temps, là. Ah, c'est que ça se régénère au fur et à mesure. Ça, c'est cool. Bah, vu que les autres meurent, en fait. Bon, en fait, c'est bon. Je m'inventais, en fait, des difficultés qui n'existaient pas. Je me rajoutais des difficultés supplémentaires. On va l'avoir. On va l'avoir. Je veux cet orbe. On va prendre aucun risque. Et à chaque fois, c'est chaud, le chevauchement entre faire apparaître le clone, prendre son contrôle, faut vraiment pas se planter, parce que comme c'est très sensible, il suffit que je me plante, je dirige le faisceau mal, et du coup, bah, je rate mon truc, et paf, faut que je recommence tout. Oui! Non! Oh non! J'ai oublié de prendre son contrôle, putain! Oh là 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 là, j'aurais bien fait de me taire. Ah, je suis désolé, je vais devoir vous réinfliger tout ça, c'est très long.
Au pire, passez sur la vidéo. Hein. Si vraiment, maintenant que vous avez compris comment c'était vous aussi, comme moi, vous pourrez passer la vidéo de 30 secondes. Franchement, je vous en voudrais pas. Je comprendrai. Allez. Non. C'est chaud en plus. Ah là 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 là, je me suis fait avoir. Comme un débutant là. Comme un débutant. Belle petite musique en tout cas. Puis en plus, alors c'est traître, puisque comme on passe un long moment sans toucher à rien et qu'on attend le dernier moment pour faire apparaître le clone, du coup on a l'hésitation des touches qui vient. Est-ce que je dois appuyer d'abord sur R1 ou R2? On sait plus trop à force. Et ça c'est super traître. Il va y avoir une vidéo entière sur cette salle. Mais bon, c'est pas grave, c'est sympa. Et on va y arriver. Je pense que vous aussi, vous avez envie que j'y arrive là. Vous êtes dit, allez, allez, tu vas y arriver, concentre-toi. Allez. C'est bientôt bon. C'est pareil, je vais pas prendre de risque. Hein. Je crois que je vais refaire apparaître un clone en attendant que le truc se lève un maximum. Ouais, ouais, on va pas prendre de risque. Qui battait là, le chamal. C'est stressant. Normalement, j'ai les 4 ordres, ça va bien. Et du coup là je peux faire ça. Je commence à jouer avec le système maintenant que j'ai compris. Je peux vous dire une chose, c'est que en tout cas j'ai envie d'en apprendre plus sur ces gardiens, ça m'intrigue. Je suis assez intrigué par leur philosophie, apparemment ce sont des êtres très penseur, j'aimerais en apprendre plus. 2 orbes. Bon, alors carte, s'il vous plaît. Carte. 4 orbes. Obstacle. Là, je peux. Ok. Il me faut 6 orbes. Ok. Il va falloir déjà j'aille explorer peut-être là-haut, maintenant que j'ai compris le système de corps en corps. Merde. Quel boulet. Il a vraiment fallu que j'aille en fait dans l'autre salle et que je comprenne ce système de passer et de ralentir le temps en passant en même temps entre les corps pour me dire que du coup je pouvais aller dans ces endroits qui me semblaient inatteignables avant. Donc c'est vraiment intelligent de la part du jeu. Il ne l'a pas vraiment dit, c'est moi qui ai dû le deviner en fait. Et ça, c'est bien. C'est une bonne chose en soi. Ah, vous voyez derrière l'astéroïde au fond, là dans l'espace? Quelque chose me dit que ça pourrait être Cori 4, Cori 5, je sais plus. Je vais voir ça. Cori 5. Là-haut? Non. Entrée numéro 6. Évacuation d'urgence.
Seules quelques zones de la station sont encore habitables. La cale du secteur 1 possède tout ce dont nous avons besoin, de la nourriture et de l'eau, ainsi qu'un accès à la serre. Mais cela ne durera peut-être pas longtemps, personne ne connaît la cause de tout ça. Sam Cooke. Sam Cooke? Comme le chanteur? Celui qui avait chanté... Hey, twistin', twistin', ta-ti-di-di-di-di-di, oh, twistin', twistin' in that way. Voilà. J'ai bredouillé, bafouillé quelques fausses paroles, parce que je les connais pas. Mais c'est Sam Cooke. Un de mes chanteurs préférés. Ah, saleté, je l'aime pas cette lumière rouge, je l'aime pas. Ah, c'est vraiment super ça. C'est vraiment excellent ce système de clone. Ah ouais, mais la lumière bleue, je fais comment? Ah, en sautant. En sautant, ça marche. Super! C'est génial! Wouh! J'adore cet appareil, il est excellent. Et je vais commencer à m'éclater avec ce truc. Regardez. Qui n'a jamais rêvé de faire ça? C'est inutile, mais c'est pas grave, c'est marrant. Oh, putain. J'ai peur, qu'est-ce que c'est que cette lumière rose ou violette? Ah bah ça empêche le contrôle aussi. Ok, on peut pas du tout faire apparaître de... C'est comme la lumière bleue en fait. Ah, j'ai peut-être une idée. Alors vraiment, les développeurs ont dû se travailler le ciboulot pour trouver des trucs comme ça, parce que faut vraiment avoir une imagination de dingue pour dire mais comment on va pouvoir faire un puzzle et comment surtout pouvoir lui trouver une résolution quoi. Parce qu'il y a vraiment un truc précis à faire. Même ça se trouve, il y a peut-être plusieurs solutions dans certains puzzles. Peut-être, on sait pas, mais d'autres systèmes qui marchent, mais... Parce que là, j'ai une idée, en fait. Avancer comme ça, à la limite. En faire apparaître un même comme ça, loin. Plus loin possible. Genre là. Prendre son contrôle. Et là, il n'y a plus qu'à avancer. Ah merde, je suis con, j'ai apparu trop loin. J'ai apparu dans le faisceau de lumière qui fait disparaître les clones. Enfin, vous comprenez où je veux en venir. Ça, non. Comme ça. Et les faire avancer comme ça à reculons. Voilà. Excellent. C'est vraiment super. Yeah, j'ai les 6 orbes. Je vais pouvoir aller dans le passage. Je suis en train de délirer tout seul maintenant avec le jeu. Alors, je voudrais peut-être... bah non, du coup... parce qu'il y a toujours l'autre salle là, qui ça m'embête un petit peu là. Vous vous souvenez avec la caisse là, où il en manquait une, tout à l'heure. J'aurais aimé résoudre le truc. Ou alors, peut-être si on retourne sur nos pas. Ouais. Bon, on va avancer quand même. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. D'accord. Et là, ça va très vite. Et je peux faire apparaître des clones à travers les champs.
Oh là là.